On passe sur le jeu. Ouais, ok. Tac. Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait le... Pourquoi il ne détecte pas... Si, c'est bon. Il a mis un peu de temps à détecter le jeu. Ça y est, c'est bien, c'est bien. Le retour de stream est de qualité. Je vérifie que tout est bon. Est-ce que vous êtes prêts? Donc nous avons... Une fois n'est pas coutume, nous avons le coche, nous avons Fanny. Nous sommes tous les trois ensemble sur un jeu où on peut être au maximum trois. Chacun son personnage favori. Attention, c'est maintenant. Bien sûr. Donc vous, vous m'entendez en double, c'est normal. Mais l'histoire se souviendra que sur le live, vous, on ne vous entend pas en double. Parlez à Carla Bruni. Il y a un truc à faire avec ces petites orbes là. Je pense qu'il faut tout que je les récupère. Et ça doit me faire une quête, je pense. J'ai des petites orbes lumineuses que vous voyez peut-être pas à récupérer. Je vais essayer d'aller les chercher. Et après, on va aller rendre des quêtes qu'on avait fait la dernière fois avec Fanny. Moi, je l'ai faite de mon côté, la quête. Notre... Laquelle quête? Il est évident que le... Ah oui, celle du... Non, mais c'est pas celle-là qu'on doit rendre. Alors attends. L'hospitalité légendaire des nains. Une bière brassée. Une belle pièce de viande. Ah là, 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 il y a une petite orbe. Parce que je suppose que ces petites orbes là, je dois toutes les récupérer et ça doit me donner peut-être un petit cadeau ou je sais pas. Moi j'ai tout pris, hein. Tu les vois, toi, les petites orbes lumineuses? Moi, j'en avais une à l'entrée, je l'ai prise, mais... Je sais pas si le fait de toutes les prendre donne quelque chose, peut-être. Une quête ou... Ou que sais-je encore? Vous avez bien réparé vos équipements près de Bury. Avant, Maître Bury, avant de partir au combat, nous allons faire un petit défi de Lorien, bien sûr. Avant de continuer les quêtes. Pas un défi de Sgiliath. Non, parce que on a testé un petit peu avec Fanny, c'était pendant la semaine. On a testé un petit peu et il y a de la qualité quand même avec le défi de Lorien parce que ça donne pas mal d'XP. Ah. Plus d'XP que le défi de d'Osgiliath, en plus d'être plus facile. Tu vas voir le coche. Bon bah j'ai récupéré tous les trucs mais ça change rien. Alors nous allons au défi de Lorien. Bien sûr. N'hésitez pas à dire sur le chat si le son est bon. Normalement, le son est nickelisé. Lorien, l'hiver surgit, le jour nu est dépouillé. Tiens, où? Ah oui, c'est vrai! On l'avait déjà fait, mais on s'était fait rétamer le cul. Bonjour YouTube, hein, d'ailleurs. L'enregistrement sera déjà commencé depuis un petit moment là, mais... N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien sûr. Laissez le commentaire, le pouce bleu. Hop. On enchaîne les... Vous affrontez maintenant un ranger! Hop là! La découpade! Vous affrontez maintenant un Dunadan. Fanny qui cherche son tir. Mais Fanny qui ne sait pas qu'elle peut prendre une épée avec son sceptre là. Tu peux avoir une épée dans l'autre main. Hein. Je persiste et signe. Hein. Je te l'ai déjà dit la dernière fois. Je le redis maintenant. Pas pour l'instant. Oh là 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 là, le tartinage! Vous affrontez maintenant un Dunadan! Un Dunadan! Ça fait bizarre de l'entendre comme ça. Je vais l'entendre là, on va voir où c'est qu'ils vont pop. Attention, si tu te rapproches, le coche, tu peux bénéficier du petit cri de guerre. Plus d'armure. Ils sont là-haut. Mais ils durent pas très longtemps, c'est ça le problème. Hop là. Allez, tartiner. Boum.
Boum. Et boum. Restez sur vos gardes, il y en a déjà d'autres. Ah ouais? Il y en a déjà d'autres. Ah oui. Là. Pour rappel, hein, les gens, sur le stream... Alors déjà, n'hésitez pas, bien sûr, à follow la chaîne Twitch. Hein. Mais surtout, sachez que ce jeu, vous pouvez pas le trouver sur Steam. Il n'est plus disponible à la vente. Le coach a réussi par un procédé dont on taira l'existence. Mais qui fonctionne et qui est tout fonctionne bien, mais le problème, c'est que ça nécessite de dépenser plus d'argent que nécessaire pour ce jeu. Beaucoup plus. Là-haut, je vais là-haut, moi. Aujourd'hui, ce jeu, si on lui s'il était encore en vente sur Steam, il vaudrait pas plus que 5 euros. Hein. C'est un petit jeu. L'univers du Seigneur des Anneaux est sympa, l'histoire est sympa. On aura peut-être l'occasion de voir Urghost, le dragon qui est en fait un copier-coller de Smaug. Alors que je le rappelle, le Hobbit n'est toujours pas sorti quand ce jeu sort. Hein. Ça, c'est quand même impressionnant. Au final. Coup final, coup fétiche, le coup fétiche. Tu n'as pas eu le coche, la mort critique. Parce que tu sais, la mort peut être critique. Boum. Essaie d'avoir le petit message mort critique, le coche. J'en ai déjà eu un. Ça c'est pas mal, ça, quant à la mort critique. Je pense que c'est une erreur de traduction du jeu. Parce qu'une mort, ça peut pas forcément être critique, la mort. C'est juste la mort, en fait. Faut que je prenne la compétence qui me permet de tirer plusieurs carreaux, parce que un seul par un seul. On s'est équipé un petit peu en off la dernière fois, juste après la partie. Le vendeur, il vendait une belle épée, et d'ailleurs j'ai l'ensemble de l'inflexible au complet, donc j'ai 150 points d'armure supplémentaires, et ça fait quand même mort critique. J'ai eu le message, ça c'est beau ça. Hop là, coup final. Il a besoin d'aide, apparemment. On nous dit qu'il a besoin d'aide. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Parfait. On va voir la vague boss qui va arriver, je pense. Hop là, dans le mille. Hop là, dans le mille. J'ai plus de popo de soin. Il me faudrait une petite bulle. Bah va en chercher dans les coffres, sachant que les coffres sont pas partagés, hein. Ils sont indépendants pour chacun de nous. Donc ça sert à rien d'ouvrir un coffre en disant tiens, je te laisse les objets dedans, puisque tout le monde les a, les objets dedans. Et pas forcément les mêmes en plus. Voilà, le caillou. Je vais devoir attendre. Oh, la voix de Patrick Béthune. Juste pour ça, ça vaut le coup d'avoir de prendre Farin. Juste pour la voix de Patrick Béthune. Il y en a un autre. Sectionnement critique. Coup final. Oh là 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 là. Final. Oh là là là, on leur a tartiné le fiac. Une petite bulle, s'il te plaît. Après, n'hésite pas à prendre des potions de temps en temps, le coche. J'en ai plus. Et là, ça va repopper là. Après la vague boss, ça a repopé, le coche. On peut aller en rechercher. Je reste. Moi, j'en récupère mes popos. Je vous ai ouvert les coffres. Vous aurez plus qu'à récupérer aussi. Mort critique. Merci à Locos et à Armidown, hein, au fait, qui ont follow la chaîne pendant que j'étais hors live. Donc merci à eux malgré tout. Vous affrontez maintenant un Dunadan. Là, c'est l'occasion avec les araignées de faire des putains de combos. Par contre, elles font mal. Hein. J'ai plus de vie, je vais mourir. Ouais, elles font mal, mais c'est plein de petits dégâts. Du coup, tu te rends pas compte que t'es en train de crever. Gravement blessé.
Je suis gravement blessé. Merci. Tiens, un petit cri de guerre pour vous. Plus d'armure. Je l'ai amélioré pour qu'il vous donne un peu plus d'armure en plus. Et tu l'as activé au mauvais moment parce qu'il n'y a quasiment plus personne là. Nickel. On t'entend pas par contre, Fanny? T'es sur le Discord? Fanny? Elle a muté son micro. Oui, elle a muté son micro. C'est malin ça. Oui. Non, c'est parce qu'à cause du début, je voulais voir au niveau du... Parce que depuis tout à l'heure, je l'entendais parler. Mais je voyais qu'elle parlait, notamment sur le Discord. Hop. Allez, les morts vivants là, ça nous rappelle les Galgal, le coche, tu te rappelles? Ouais, oh, là. Nadilo, tout ça quoi. L'autre jour, j'ai repris j'ai regardé le let's play à une vidéo qui datait de pas loin de 8 ans ouais. Quand même. Hein. Et au moment où je zappe à un endroit de la vidéo au pif, l'endroit en question, je t'entends dire « Bon, tu gênes, connard !» Ah, Nadilo, hein, bien sûr. Hé, c'était à moi, ça. Quoi donc? Quoi donc? J'ai pas pris le... Je crois que j'ai pas pris les potions de l'autre coffre. Quel cauchemar! Ici, ouais, ici, il y a les araignées. Les araignées, c'est l'occasion d'avoir un peu d'XP. Hein. Elles XP plutôt bien, je trouve. Ah, il va y avoir les grosses là, non? Je crois qu'il va y avoir les grosses. Tartine nage artistique! Hop, hop! Putain, avec les coups critiques, l'XP, elle valse. Hein. Par contre, les vies aussi, elles valsent. Coup fétiche. Le KT vient me dire bonjour. Ah. Je me gêne. Merci. Il y a du mouvement dans les armes. Là-bas. Dans les armes. Oula. Ouais, là-bas là. Oula. Oula. C'est un peu plus gros de... Ah merde, 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 merde. Lâche-moi. C'est bon. Elle m'a lâché. Allez hop. Désolé pour les arachnophobes, hein. Elles sont pour l'époque, elles étaient déjà bien immondes hein, comme araignées. C'est dans Hogwarts Legacy, je crois qu'il y a un mode arachnophobe. Ouais. Où ils remplacent les araignées par je sais plus quoi. C'est par quoi qu'ils les remplacent, Fanny, tu sais pas? Ouais, par contre, elles font mal. Hein. Ah, il y a une grosse. C'est bon. Oh là là. Par contre, les potions, ça devient chaud. Ouais, hein. C'est la cata. Il y a que deux coffres en plus sur cette map là. Vague 10, après celle-là, c'est la vague boss. Et on n'avait pas pu aller après la vague qui va suivre la vague du deuxième boss avec Fanny. Peut-être arrivons-nous à faire mieux vu que le coche est présent. Parce que l'IA, on va pas se le cacher, elle fait un peu de la merde. Ah, merde. Le coche est mourant. Le coche est mourant. Ah, je vais crever aussi. Ah, Fanny, elle encaisse bien, elle, par contre. Aidez notre ami, vite. Oula. Ça pue, ça pue, ça pue. Aïe, aïe, aïe. Bon. Coup dur. Ah, on n'aura pas été jusqu'au boss, cette fois. Non. Au deuxième boss. C'est pas mal, ces araignées, là. Bon, allez. Sortez, sortez. Par contre, on a tout perdu ce qu'on avait gagné. Ça, c'est le coup dur. Retournons à Foncombe. Il faut qu'on aille à Foncombe. On a des quêtes à rendre.
Les quêtes. Les aigles, ils sont bien faits. Hein. Ils sont très très beaux, ces aigles. Armenel. C'est joli comme nom. Je crois que c'est Arwen qui nous avait donné une quête la dernière fois. Le Mithril. Je suis ravie de vous voir, Farin. Avez-vous des nouvelles pour moi ? Bien sûr, Arwen, bien sûr. Madame... Madame Indomiel, je vous apporte du Mithril. Réjouissez-vous, madame, car j'ai des nouvelles fantastiques. Votre compagnie me suffit. Allons, quelle est cette bonne nouvelle ? J'ai du Mithril. Je suis venu... Le truc le plus cher du monde. J'aurais pu le garder pour moi, mais je vous le donne. Voilà, nouvel objectif de quête, parler à un Angmir. Quelle vue joyeuse. Il brille comme si Elbereth elle-même avait béni ce métal avec Angmir. La lumière des étoiles. C'est le nain là-bas. Je peux vous remercier assez pour tout ce que vous avez su. Tu pourrais me donner un petit cadeau, effectivement. Non, c'est Glowin. Mais il ne m'en faudra qu'une petite partie pour la bannière. Le reste sera pour vous. Portez-le au forgeron Angmir. Il a les meilleures compétences pour travailler. Ah, forgeron, il doit être là-bas du coup. Afin qu'il offre des dons spéciaux de puissance et de force. Ouh, ça m'intéresse. Il est là. Un objet qui vous sera d'une grande aide. Et merci. Là où est Fanny. La bannière d'Estelle sera tout ce que j'espérais grâce à vous. Impeccable. Arwen m'a envoyé vous trouver. Parlez à Angmir. Ah bah Fanny est déjà en train de le faire. T'as zappé les dialogues ou quoi ? Entendre la vraie voix de... la vraie VF de d'Arwen, tu oses zapper ça ? Vous me laissez pas la place de parler Angmir. Vous n'avez qu'à choisir. Ah ! On peut choisir ! Ajouter rune. Bah j'ajouterais bien une rune à ma grosse épée là de Buri, maître Buri. Angmir a ajouté une rune à l'objet sélectionné. Par contre, est-ce que ça valait vraiment du mithril de faire juste ça Moi, j'aurais voulu Narzil. Le passage. Usure réduite de 5000%, plus 40 de dégâts, plus 90 de dégâts critiques. Ok, ok. Ok, en fait, non, c'est bon. Ça valait du mithril. Merci. Merci, ouais. La grande épée de Buri. Maître Buri. On va la garder longtemps, je pense, cette épée. Hein. Elle est ronde. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, il est bien fait, Elrond. Est-ce que c'est sa vraie voix ? Je sais plus. Bienvenue, non. Mon ami. Il convient de vous féliciter pour ce. Ah, oh, c'est dommage. Au Mont Gundabad. Grâce à vous et aux guerriers de Nordinbad, le nombre d'orques menaçant. Ah, oh, c'est dommage. Elle lui va pas en plus cette voix-là. D'après ce que j'ai entendu. Nous, on voulait la voix de. Nordinbad de Hugh Laurie. Ce sont Féodor Atkin. Dans notre combat contre Agandor. Théodore Atkin, ça c'est pour. C'est pour quel. Non, Féodor Atkin. Oui, non, tu parles de cet acteur-là, mais moi je te parle de Hugh Laurie de Doctor House. C'est aussi sa voix. Oui, c'est la même. C'est le même comédien qui fait les deux. Faucon est peut-être en danger. Bah, je pense qu'il le sait, hein. Il le sait depuis que Gandalf est venu lui dire que déjà Saruman ne faisait plus partie des amis. Il le sait très bien. Un dragon. Un dragon qui s'appelle Urghost. Oui. Et qui est un copier-coller de Smaug. Donc du coup, oui. Il y a quoi d'autre comme quête qu'on avait à rendre déjà ? Attends, quête secondaire. Putain, on en a fait beaucoup des quêtes, hein ? C'est rigolo parce que. Non, pas tant que ça. Là, c'est Féodor Atkin qui double la voix du coup. Mince. Hugo Weaving, l'acteur. Ouais. Il joue Elrond. Mais par contre, dans Matrix, c'est pas lui, c'est Vincent Grass qui lui prête sa voix. Dans Doctor House ? Non, dans Matrix. Ah, dans Matrix. C'est Vincent Grass. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas cette voix-là dans Matrix. Et c'est bien décevant parce que ça lui donnerait un côté encore plus badass à l'agent Smith. Après, la voix de Vincent Grass est excellente. Oui, elle est bien aussi. Elle est très très bien aussi. Monsieur Anderson. Qu'en est-il du porteur de l'anneau ? Trouver un troisième objet, le défi de Lorien. Ah, mais c'est des quêtes secondaires, les défis. Le dernier fils de Red sur la deuxième tombe. Ok, donc on n'a plus d'autres quêtes secondaires à part celle qu'on avait faite là avec Arwen. Donc on va à Mirkwood. On va Mirkwooder. Pour la suite des opérations, on va aller chercher Radagast le Brun. Le fumeur de Chicha. Le coche. Tu viens ? Non ? Je fais la discute avec Elrond. Ouais, mais on doit aller à Mirkwood là. Ouais, bah, faut que je finisse.
Ok, donc il sait pas où se trouve Urghost. Alors nous devons nous rendre à Mirkwood. Sa voix va pas du tout avec le personnage, mais bon, c'est un peu difficile de toute façon de donner des voix à des aigles. J'ai d'autres choses à faire, mais merci de nous avoir attendus. Les cieux nous appellent. Faites signe à Beleram et nous nous envolerons. Allez, go. Nous allons à Mirkwood. Pour la suite des aventures. Radagast le Brun. Ils essaient de faire quelques petits efforts pour les cinématiques. Oh, des Nazgûl! Les Nazgûl! Oula! Aïe! T'as tombé le coche! Coup dur! Ah oui, je crois qu'on est séparés. Dans mon souvenir, je crois qu'on est séparés pour le début de cette quête. Ah. Oula, c'est à Gondor, ça? Vous recherchez le magicien. Ulfrun. Personne ne peut l'aider. Et personne ne peut vous aider, vous. Ouais. Ça, c'est Beleram, ça. Oula. On l'affronte direct. Eh ben, allons-y. Wulfrun. Ah, on peut pas rentrer. Qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Ah, faut lui tirer dessus pour l'instant, ok. Ouais, viens dans la sphère, le coche. Ça va nous protéger des projectiles. Il est où? Il est où ce sac? Là. Là, on peut l'avoir. Aïe. Un petit cri de guerre. Il est où ce sac? Il a plus de bouclier, hein, on peut aller le frapper. Il est où ce sac? Oh, carrément dans le bouclier de Fadi. Merde. Ah, j'ai le mode berserk, le coche. Oh. Là, on est obligé de lui tirer dessus. Il envoie des petites bouboules. Évidemment, il vient à l'intérieur. Aïe! Ah, je t'ai protégé! Plus d'armure, profitez! Il se barre, évidemment. Aïe! Allez, crève! Crève, 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 crève! Oui! Nouveau secret découvert. Flot de Wulfrun. Ah, il est mort, hein, carrément. Il aurait pu se barrer, tu vois, genre être blessé. Oh, oh, je m'en vais en Nazgûl. Mais non. On va l'affronter aussi, lui? Ah, Beleram, il va venir nous donner un coup de main. Voilà! Allez, décapite-moi ça, là. Non, ça va être à nous de le décapiter, je pense. Hop là! Nickel! Alors attends, parce qu'il y a des trucs à dropper là. Ça. Il y a quoi d'autre? Ah, mais lourde des hommes des bois. On nous dit qu'il y a des. Le secret débloqué, c'était le de battre le truc ou c'était autre chose? Ça m'a débloqué un succès, Steam, en tout cas. Ouais, moi aussi. D'avoir affronté le sorcier Wulfrun. Attends, je vais prendre l'objet là. Qu'est-ce que ça nous donne l'objet? Il drop pas lui, il a pas droppé le Nazgûl? Cet être ne proférera plus de mensonges désormais. Cela dit, j'ai peur qu'il ne s'agisse pas. Si on devait faire ça à tous ceux qui profèrent des mensonges, il y aurait une sacrée chute démographique. Radagast pourrait avoir des ennuis. Vous devriez vous dépêcher de le trouver. À quelle distance est-ce? À quelle distance sommes-nous de la demeure du magicien? Que fait-on du magicien? Difficile à dire. Même les yeux d'un aigle ne peuvent percer les branches entrelacées de Mirkwood. Et les clairières ne sont pas nombreuses dans cette forêt. Ah. Nous le trouverons. Nous continuerons les recherches à pied. Devons-nous vous rejoindre ici lorsque nous l'aurons trouvé? Non, je dois retrouver mes compagnons. Ils s'inquiètent probablement pour moi. Ensemble, nous pourrons monter la garde de là-haut.
Radagast compte de nombreux amis parmi les oiseaux de Mirkwood. Si vous il le va trouvez, peut-être changer d'arc pour que ce soit mon arc qui est bien meilleur. Assez facilement. Prenez garde. Très bien, mais faites attention. Il pourrait y avoir d'autres ombres ailées dans les parages. Il peut pas dire Nazgûl. Je n'aime pas l'aspect de cette forêt. Il n'avait peut-être pas les droits, le coche. C'est possible en plus. Est-ce que mon arc serait mieux dans un tel endroit? J'avais bien réparé ton matériel, hein, Fanny. C'était une forêt assez belle avant que l'ombre. Tu vois, normalement, dans ta deuxième main. Fanny, dans ta deuxième main, tu peux porter un truc. La forêt abrite... Si tu vas dans ton inventaire, t'as arme main droite, arme main gauche, et toi, tu as le droit de porter un truc à la main gauche, normalement. Moi, comme c'est une épée à deux mains, ça sert à rien. Mais toi, tu peux porter une épée courte à la main gauche, normalement. Regardez, là ! Un warg ! Il y a un warg. Désolé, j'ai un peu avancé, ça fait pop un warg. Mais il s'est barré. C'est pas grave. Mais ça veut dire qu'on va en affronter, évidemment. Maintenant, la forêt tout entière sait que nous sommes ici. Allons-y. Le warg que l'on entend est plus à craindre. Les feux d'alarme de Mirkwood sont allumés. Alors attention, le coche, parce qu'il y a beaucoup de secrets dans le jeu. Il faut rester attentif au moindre petit buisson qui pourrait nous ouvrir un secret. Surtout qu'il y a des trucs que seul toi peux voir, le coche. Des trucs que seul moi je peux voir et des trucs que seul Fanny peut voir. Il faut être attentif. Un campement d'orques. Faites attention, les wargs ont décelé notre présence. On va se les faire. Il y a des coffres en plus. Il faut tout péter. Hein. Les vibrations ne sont pas gérables sur ce jeu. D'ailleurs, comme le vocal. Il n'y a pas d'option pour le vocal. Ils ont vraiment mis le strict minimum en option sur ce jeu. Hein. Nous devons nous protéger de leurs flèches. Pourquoi il panique alors qu'il y a personne? Ah oui, d'accord. Il y a tout le monde. Là. Il charge. Ah, c'est pour nous ça, le coche. Hop là. Aïe. Ça vous fait tomber. C'est bon, il est mort, lui. Ouais. Aïe. Ah putain, il tartine, lui. Tu peux de l'autre, si tu peux. Oula. Dans le cube. On met une potion. Oh là là. Oh, merci, merci. Aïe. C'est bon. Aïe. Fanny nous soigne un peu. Oh, il va crever, lui. Ah, il déconne zéro, hein. Putain de merde. Je creve. Viens dans le cercle, coche. Vas-y, on l'enchaîne. C'est bon, il est mort. Profite du mode berserk. Hop là, les stockades. Le coup des stocks. On aide le coche. Là, j'ai un peu les. Il est où, le coche? Un peu d'armure pour le coche. Hop. Allez. C'est bon. T'as pas de bulle, Fanny? On profite du mode berserk. Mais il tartine le fiac. Ah, c'est compliqué. Je suis par terre, il reste que Fanny. Ah bah là, on est tous morts. Ah, ils sont... T'as vu les orques, ils s'arrêtent d'un coup et ils sont contents. Bon, on revient au point de sauvegarde qu'il y avait juste avant. Faites attention, les wargs ont décelé notre présence. Faut qu'on soit plus efficace que ça. Gardez l'œil ouvert. Mais il n'y a plus de combos à faire. Je pensais qu'il y avait des combos, en fait, mais il n'y en a pas. Hein. Faut bourriner jusqu'à temps de voir. Il faut bourriner jusqu'à avoir ton mode berserk, le coche. Comme dirait Nadilo. Le fameux mode berserk. Ah, c'est qui? Je reçois des trucs. Ah, là-haut.
C'est bon. Ils sont coriaces. Il y en avait en fait en haut aussi. Oula. Merci d'avoir appelé Belleram. Ah oui. Ça c'est Fanny, ouais. Ah non, c'est toi qui l'a appelé? Non. Bah ça doit être Fanny, c'est vrai qu'on a des plumes. Donc on y pense, il pourrait venir nous aider. J'ai 4 plumes, hein, donc au besoin... Ah, il veut pas crever lui. Oh là là, il m'a... J'en affronte deux là, c'est compliqué. Des fois, il peut pas être interrompu lui. C'est bon, il est par terre. Il y en a d'autres. Aïe. Ah, faut vraiment esquiver. Hein. Ouais, Fanny, qu'appelle Belleram, je vais l'appeler aussi. Non, c'est pas moi là. C'est pas toi, c'est toi. C'est... Ah oui. C'est le coche. Le cercle, le coche, ah, le y a cercle. Un chemin qui vient s'ouvrir. On doit passer par là, je pense. Ah, tu crois que ça s'arrête jamais? On se croit. J'appelle Belleram. Moi, je suis sûr que ça s'arrête à un moment. Et qu'on peut leur foutre la zermie. Oh là là. Mort critique. Sectionnement critique. Bah c'est bon là, on les nique bien là. Et là, sans trop de difficultés bizarrement, c'est quand même fou. Par contre, avec l'XP que ça m'a donné. Je sais pas vous, mais moi ça m'a mis la moitié de mon level. Hein. J'arrive le coach, j'arrive. T'inquiète pas, je le dirai. Presque à bout. Il drop? Non. Ah, il y en a encore un là-haut, là. Nickel. J'ai plus de potions. Les caisses. T'as plus de potions? Non. Ah, merde. On peut se donner hein, du matériel, hein, si besoin. Mais je t'avouerai que je ne vais pas te donner de potions, le coche. Béoring. Mais par contre, Fanny, n'hésite pas à lui donner des potions de puissance. Puisque nous, elles nous sont pas forcément très très utiles par rapport à elle. Elle, c'est ses munitions en plus d'être ses points de mana. Tout à l'heure, je t'ai envoyé des popos de santé, justement. Moi? Non, j'ai... Ah, ok. Bah toi aussi, garde-les, parce que là, pour le coup, t'en as aussi besoin. C'est pas pour toi, ça, Fanny? Il y a un truc avec des araignées, là. C'est fait pour faire flipper, ou... Toi, tu peux peut-être le regarder, non? Non. Non, tu peux rien en faire. Des champignons. Fanny, je crois qu'elle peut les récupérer, ça. Parce que Fanny, c'est une herboriste. Hein. Tu peux, à mon avis, tu peux les récupérer, les champignons. Allez, à l'herboriste, demandez-lui. Non, tu peux pas. Non. Il me semble que ça va être une partie de notre quête après, de récupérer. Bon, bah là, ça va être les araignées, évidemment. Un grand moment de plaisir. Tiens, ça, c'est pour moi, ça. Hop là, un petit secret. Allez, donnez-nous du drop là. Arbalète, oh là là, l'arbalète. On va regarder l'arbalète. Épée à deux mains de capitaine. Oh, l'âme d'elfe sylvestre. Oh, l'épée à deux mains de capitaine. Je vais pas l'utiliser. Parce que j'ai mieux, mais qu'est-ce qu'elle est belle. L'épée à deux mains de capitaine, la vache. Elle fait combien ton épée, le coche? Moi, elle fait dégâts 170-247. Parce que là, j'ai une épée à deux mains de capitaine, le coche, elle fait 190-274. Ah, c'est peut-être... Ça peut-être me... Ouais. Tu l'as amélioré chez Angmir, le coche? Ouais. Ton épée? Ah ouais, mais là, ça vaut pas le coup, du coup, si tu l'as amélioré chez Angmir. Par contre, je drop que des trucs, c'est... Ah, il me faut de la résistance en plus pour que je puisse les mettre. Attends, par contre, l'arbalète que j'ai récupérée... Ça dépend, ouais. Arbalète de sous la montagne, elle s'appelle. Elle vient d'où? De sous la montagne. Elle est belle en plus cette arbalète. Ah, je prends. Plus 90 de dégâts critiques. Donc j'ai dû mettre du savoir tout à l'heure. Ça. Moi j'ai quoi pour vous? Bah c'est tout. Pour l'instant j'ai droppé que ça. Il m'a donné quoi l'autre idiot tout à l'heure là?
Ah, j'ai un arc sylvestre, le coche, 465-484. Ouais, moi aussi, je l'ai. C'est ce que Fanny m'a donné, mais... Ouais. Tu peux pas t'en servir? C'est toi, le champion? Hein? Non, c'est toi. Oui, c'est moi, le champion. Ouais. Merci. Bah tiens, du coup, je te passe en échange l'arc sylvain. Je l'ai déjà. Bah oui, mais au moins, tu le revendras, le coche, tu le revendras. Ouais, si tu veux. Merci. Comme ça, on a que du matériel de notre propre catégorie. Un arc sylvain. C'est très charmant. On dirait des petites boules des trucs de Noël. Des furoncles. Un peu aussi, ouais. Passez par là pour rassembler, enfin rassembler votre communauté pour passer par là. Oh, il mange des œufs. Ah, il est dégueulasse. Il est dégueulasse. On va s'en débarrasser de cette saloperie, là. Et ça gâche la nourriture. En plus. Allez, on va le ratatiner. Aïe. Je peux pas bouger quand je fais cette compétence-là. Du coup, ça fout tout le temps la merde. Aïe. Oh là 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 là. Hop là. C'est vraiment Dark Souls. Hein. Allez, un petit coup critique là. C'est bon. Je m'y mets des coups critiques. Aïe. Aïe. Nickel. Améthyste lisse, j'ai eu. Et solide armée renforcée d'acier. Stone de coup paralysant. Potion de santé. Bon, c'est de la merde, c'est par contre, le armée là de renforcée d'acier. Ça va se revendre, ça. N'oubliez pas de dropper là. Sur les trucs à dropper. Enfin, de looter. Il n'y a pas de petit profit, 41 pièces. 63. J'allais dire ça se revend bien, mais bon, c'est des pièces donc. Vous viendez? C'est pas terrible ce que j'ai vu. J'ai trouvé un secret, donc ça veut dire que chacun de vous deux il a un secret à nous trouver aussi, normalement. Normalement. Parfait. Ça nous avait dit combien de secrets là? J'ai même pas fait gaffe. 2/3. 2/3, donc ça veut dire que le coche il nous a pas trouvé un de ses secrets, je suis sûr. Ou c'est toi peut-être, moi, ouais. Moi je sais pas qu'est-ce que je pourrais trouver. Qui... Je sais plus ce qu'il trouve l'humain, mais je crois que. Enfin, le Dunodin, béni d'une longue vie. Vous n'avez pas 80 ans. 87. Combien il a, Eradan? Je sais pas. Comme Aragorn, je pense, près de 87. 87. Bon allez papy là. Pavois des hommes des bois, j'ai eu. Ça doit être un bouclier, je suppose. Bon bah là maintenant ça y est, on est habitué aux araignées. Vous affrontez maintenant un Dunadan. Ah. Elle va prendre pour tout le monde. Protégez-vous dans cette sphère de lumière. Oui, merci, mais là, on est en plein combat. On n'a pas le temps pour ta lumière, là. Bah non, mais c'est pour moi. Moi aussi, je vous offre la lumière d'Elendil, notre étoile bien-aimée. L'antelé des hommes des bois, j'ai eu. Vous fiez pas au nom que ça porte, parce que ça peut quand même appartenir à votre set. Sachez-le. Oula, je vais crever. Ouais, les petites araignées, on dirait pas comme ça, mais elles te mettent la misère. Faudrait que je fasse mon cri, vite fait. Voilà. Comme ça, vous avez plus d'armure. Oh là là, 1000 d'XP. Ça, c'est beau, quand même. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je me bouge. Attendez, il n'y a plus personne, là. Attendez. Juste un instant, il faut que je bouge ma caméra. Que je la mette au bon endroit.
Donc attendez. Tu vois pas tes popos là. Ouais, ouais, tu vois tes popos, mais on voit pas ma santé, ouais. Attendez, ça doit être celle-là. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Voilà. Le jeu, il aime pas trop les retours bureaux. Ouais, c'est bon. Là, on voit bien. On voit juste pas votre état de santé. Mais bon, c'est pas grave. Vous oubliez des trucs? Elle est où, Fanny? Ah, elle est là. Là, 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 du loot. 49 pièces, y a pas de petit profit. Là, du loot. On vient de par là, je pense. Non, bah non, pourtant, il y a du loot que j'ai pas pris, là. C'est moi, j'ai pris le loot. Saphir brut. Elvered Guindomiel. Venez à mon secours. Oula. Aidez notre ami, vite. Ah oui, Fanny est mourant. Ah, Fanny est mourant. Petit cri de guerre, là, ça fera du bien. Attends. Ah putain. Merci. Elle a failli m'attraper, cette salope. Je comprends pourquoi il nous donne masse de potions, vu les dégâts qu'on prend, là. Ah oui, faut qu'on lui fasse reprendre connaissance, sinon elle va crever. Hein. Attends, tu t'en occupes? Faut qu'on me soigne! Faut qu'on me soigne! Entrez dans la sphère de lumière et guérissez! Voilà, coup final. Je dirais même coup fétiche. Merci. Il donne des potions, donc ça va, les araignées donnent des potions. Bon. Ah, bien sûr. Tout à fait. Ah, tu le savais pas? T'as déjà venu jusque là, Fanny? Ouais. Ah, c'est pour ça que tu meurs aussi, si tu t'enfuis, là. Sans tout ramasser, en plus. Bah si, je ramasse. Bah non, t'avais loupé un truc, là. T'avais loupé un truc. Mais comme il y a plusieurs chemins, je fais le tour. Ah, je crois que là, on est bon. Je suppute. Je supputasse. La supputation. Archer ennemi, au-dessus! Ah, des archers, c'est pas des araignées, là, du coup. Il est où? Il y a celui-là, mais il y en a un autre. Il y avait un autre qui nous tirait dessus. Bah, je les vois pas, les autres. Ah oui, il est là, d'accord. Ils tirent à travers les branches, ils sont très forts. Dans le mille et mille. Lui, là. Lui, si on peut lui en mettre plein la gueule avant qu'il arrive vers nous... Allez, go! Il est par terre, l'estocade, le coche, l'estocade! Non, il est mort, de toute façon, il est mort, c'est bon. Oh! Nickel! Mort en cop. C'est beau, ça. Ouais, c'est beau. Ah, les potions, moi, j'ai ce qu'il faut. J'ai eu une grande plume. J'ai eu une grande plume au besoin. Attendez, un petit cri de guerre. Hop! Aïe! Critique. Oui! Eradan est monté en niveau, c'est normal. Fanny, t'es monté en niveau aussi? Mais niveau 16. Je suis bientôt niveau 18. Avec un petit bout de barre d'XP en plus, ça serait pas mal. Hop. Il y en a d'autres? Là. Là. Fanny, elle peut arroser, mais moi j'ai pas encore la compétence qui me permet d'arroser comme ça. Tu dois l'avoir aussi, Locoche. C'est juste que, rappelle-toi, nous on était tellement bourrins quand on jouait qu'on n'avait pas développé les compétences à distance. Je vais mettre un peu de résistance. Voilà, ça permet d'avoir plus. J'ai une compétence qui me permet de tirer 4 à 6 carreaux d'arbalète d'un coup. Ce qui est quand même pas trop mal. Là, je pense qu'on a loupé des secrets parce qu'on a rien trouvé. Hein. Mais le coche, il veut pas viendre. Il veut pas viendre, le coche. Il va falloir que je monte de level. Bah, attends, t'as un petit peu. T'as un petit peu, le coche. On arrive chez Radagast, là. Elle est pas mal, cette map. Ça change un peu. Moi, une map que j'avais adorée, le coche, tu te rappelles, hein, c'est la toute première, hein, celle sur les remparts, là. Bien sûr.
de la grande forteresse, ça c'est sympa ça. La typose. La typose, bah oui. Ah, c'est sans doute la demeure de Radagast. La demeure de Radagast, elle est pas tout à fait comme ça dans le Hobbit, mais... Il a dit que nous arrivions trop tard. Oh là, elle prend un air sérieux là. Au bordel. Ah, bah en fait t'aurais peut-être dû mettre ton point le coche. Ah non, ça va, c'est pas un boss, c'en est plusieurs. Prenez mon cri, bénéficiez de l'armure supplémentaire, je ne peux pas être interrompu par les coups, et ça c'est quand même cool avec le cri. Mort critique, je rappelle que ça existe la mort critique. Vous êtes là ? Non. Ça fait une différence, si vous mourrez normalement et que si vous mourrez de façon critique, ça fait une différence. But maximum de loin. Putain mais okay. Fanny me pique mes coups critiques. J'ai tout vu. L'histoire le verra, le stream le verra. Prendre objet. En deux secondes. Et Fanny en plus que de taper en même temps qu'elle tape, elle loot des trucs. Ça là. Hop. Ambre façonnée, fortification de verbois. Les boucliers, pour moi, c'est un bon moyen de se faire du fric. Ça y est, je suis passé 18. Le chevaucheur de Warg. La hache de chevaucheur de Warg. Ouais. Ouais, ça drop bien, là. Hein. L'arbalète de Dol Guldur. Dol Guldur. Peut-être me la mettre, si je peux. Non, tu peux pas mettre d'arbalète, c'est pour moi. Les arbalètes. Toi, c'est les arcs, le coche. Putain, tu la veux ? Bah, vas-y, vas-y. J'ai arbalète de Dol Guldur. Hop là. Magnifique. Récupérer le bâton de Grenat ébréché. Mais elle peut porter une épée courte à l'autre main, ça me tue ça. Elle ferait tellement plus de dégâts, je suis sûr, Fanny. Faut qu'on aille taper à sa porte peut-être, non? Non, non. Ah, il a dit, il est pas là, il est pas chez lui. Il est parti aux fraises. Ouais. Ça doit être par là, je pense. On nous demande de nous rassembler. Pas de secret, donc c'est bon. Elle est charmante cette forêt, hein. Oui, un peu penser à la forêt de... Comment dire, Fangorn. Ils sont tout autour de nous. Fangorn. Peut-être Radagast. Quelle folie les a conduits là. Il y en a un qui arrive, ça arrive, ça arrive. Je le charge mon coup, lui. Ah mais je regarde en même temps s'il n'y a pas des secrets. Ah oui, c'est le gros, le focus, le gros, les petits, on s'en fout. Le gros avant tout. Les hitbox sont totalement buggés. C'est bon. Oh là là, magnifique. Petit découpage des jambes, là. Je pense que ça a dû lui faire du bien au niveau de l'entrecuisse. Car bien sûr, mon cher Thierry, chacun a le droit d'avoir la hernie là où il la veut. Une hernie de l'entrecuisse. Oh, ça a pas marché. Des fois, ça, les coups passent pas, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce qu'on tire dans le bouclier sans faire exprès. Oh. Bon, lui, il est mort. Aïe. Boum. Les stockades. Hop là. Quand ils sont par terre, faut en profiter. Nickel. Une grande plume. On peut appeler 4 fois Beleram, au besoin.
estocade. Lui au fond là-bas, qu'on occupe. Boum. Dans la tête. Y'a pas de secret là, non, je vois pas. Hein. Non. Après ça, c'est une petite map là. Je pense que ça, c'est juste un, ouais, c'est juste un checkpoint. C'est tout. Voilà. Oula. Je charge mon truc. Boum. Ah, tu peux charger un coup, toi, t'as pris la compétence. Moi, j'ai pris aucune compétence pour mon arbalète et je regrette un peu. Oh, la décapitation. Il cherche sa tête. Il met un gros coup à l'autre, là, au marteau. Aïe. Pas pour l'instant. Andriel est monté de niveau. Faut qu'on mette nos points après. On est tous montés au niveau. Aïe. Je crois qu'on est limité à 20 potions maximum, hein. Je suis plus très sûr, mais je crois. Non. Ah, tu peux avoir plus de 20? Oui. Je sais plus c'est combien le max. Ah, putain! Petite potion. Merde. Ouais, bien. Les stockades! Il est mort. Hop là. Y'en a d'autres? Y'en a d'autres? De l'archer. J'ai plus de flèches. Oh ouais, on est limité qu'à 40, ça c'est chiant. Voilà, je peux plus être interrompu. Topaz brut. Il est mort dans sa chiasse. Bon alors, tu vas mourir, oui? Il y a de nombreuses empreintes d'araignées tombées comme une merde profondément dans les bois. Ouais. Et on dirait qu'elle traînait quelque chose. J'ai bien peur que ce soit Radagast, mais je ne saurais dire s'il est mort ou... Oh là, Radagast qui se fait traîner comme un yinche. Comme un cul. Attendez, il y a moyen d'aller par là. Fanny, ouais, reviens. Je vais aller voir. Bah non, je pense que c'est la suite parce que c'est les trucs de Radagast. Donc plus aller du côté de Fanny pour le... Ouais, bah du côté de Fanny pour l'instant. Parce que s'il y a des secrets, il nous faut. Quelque chose qui va t'être utile? Ah, c'est funny ça. C'est un secret ça, hein? Il y a du mouvement dans les arbres. Non, c'est... Elle a cueilli des trucs. Là, c'est pour moi par contre. Il y a un truc là, c'est pour moi. On va le faire après. Dès qu'on les aura niqués. Oh là là, les tartines qu'on leur colle. Vous affrontez maintenant un Dunadan. C'est bon? Là, c'est pour moi ça. Bouclier durci par le feu, Uruk. Hop là! I need help! Ah merde, le coche il se fait attaquer. Là, le coffre. Oh là, protège torse d'Esgaroth. Visitez Esgaroth. Mais le temps semble finalement l'avoir rattrapé. Allez! Des fois, les coups des stocks sont buggés. C'est bon? Ah, il y a encore du monde. Ah, il est gros, lui. Il a donné une potion de puissance. Une flèche. Ça, ils sont nuls, hein. Du coup, alors ton truc, toi. Il y avait un petit coffre sur la droite quand tu rentres. Je continue de looter. On va se mettre bien là. Si on mettait nos points, tiens. Profiter de cette accalmie pour mettre nos points. Allez. Nous a laissé quelques provisions. Ah, moi j'ai découvert mon secret. Merci pour l'arbalète de Dol Guldur, le coche. Mais c'était tout à l'heure. C'est quoi ton secret que t'as trouvé? C'était des trucs. C'était là, t'avais une merde. Comment on appelle le symbole là, elfique sur les murs? Ah, c'est ça que tu trouves, toi. Ça intéresse quelqu'un? Ouais, vas-y, moi, je suis champion. Je suis champion, ouais. Épée à deux mains d'Esgaroth.
Ranger est champion uniquement, il me faut 25 de force. Putain, il me faut un level, sinon elle est bonne. Moi, la force, je suis bien. Je me remets 2 points, plus 1 point en résistance pour avoir plus de santé. Merci pour l'arbalète de champion. Effectivement, il porte bien son nom, hein, arbalète de champion. 1 point de compétence, remplace le balayage par une série d'attaques ciblées rapides. Nécessite une épée. Une épée à deux mains ou à une main? C'est ici, ok. Putain, ça me tente bien, ça. Sinon, tir précis sur la cible. La capacité de tir de votre arbalète passe de 4 à 6 coups, permettant des tirs rapides avant de recharger. Moi, je suis tenté par la tornade, mais ils disent il faut une épée, mais ils précisent pas épée à une main ou à deux mains. Une hache, un marteau ou une masse. Donc ça, c'est niette. Bon, je vais tenter de la prendre. Attention. Goûtez à ça. Ah oui, ça marche. Ça marche, le coche. Oh la vache. Ça va être pété, ça. Là, du coup, je vais plus trop te donner mes potions de puissance, Fanny. Ah, tout juste ce dont j'avais besoin. Regarde. Ah, elle devait bien. Regarde ce que je peux faire maintenant. Ah oui, il fallait que je fasse ça, tiens, aussi. Par contre, ça bouffe la puissance. C'est violent. Regarde le coche. Attends. J'ai vu, j'ai ton retour de stream. Ah, t'as vu, c'est pas mal. Hein ouais. Mais ça bouffe de la puissance, hein. Faudrait que je fasse gaffe. Éventuellement que je me mette un peu de points en puissance à un moment. Et du coup, l'endroit de tout à l'heure de Fanny, on n'y est pas retourné. Enfin, où on pensait que c'était la suite alors qu'en fait ça l'était pas. Ouais, il va falloir que... Ouais, bah, là j'aurai pas le choix. On l'a pris ce tas de merde là ? Ouais, on l'a pris. C'était où l'endroit déjà ? Où on pensait que c'était pas par là ? Ah mais en fait... Attends. Oula ! Ouais, venez en fait. Ça a l'air bien, par là. Attendez, il y a du drop là. Potion de santé. Ah oui. Il y a des trucs là-bas, là, ça a l'air bien. Ils ont l'air de jouer un bon jeu. Et moi, j'aime les beaux jeux. Regardez là, il y a plein de bordel. C'est par là qu'on doit aller. Oui, mais il y a plein de bordel. En même temps, c'est de là qu'on vient. C'est pas de là qu'on vient. Je crois pas. Comment t'expliques qu'il y ait du monde ? On a fait le ménage, il me semblait. C'est plutôt bien fait parce que les flèches que t'envoies, le coche, elles restent sur leur corps et ça rend bien. Ça fait vraiment criblé de flèches. Voilà. Tu vois là-bas, là, au lieu de faire de la provoque. Font mal leurs flèches, là. Ouais, bien. Parce qu'ils sont casse-couilles. Hop. Ah, c'est une quête. Ou alors c'est Radagast. Allez, on va affronter tout ça là. Aïe. Attendez, je sais ce que je vais faire. Hop. Putain, ils disent que les attaques lourdes, elles sont censées, je suis censé les ignorer. Il me faut plus de temps, qui dit. Allez. Il va crever, oui. Eh ben. Voilà. Coup final. Et je dirais même coup fétiche. Cette fleur est magnifique et très utile. Ah. Cette fleur est magnifique. Bah ça, c'est la cueillette de Fanny, ça. Fanny l'alchimiste. Il y a un coffre, là, aussi. Attends. Il reste un ennemi, là. Comme ça qu'il faut qu'on fasse le coffre, merde. Hop. Mais moi, j'ai pas la compétence, je peux pas charger. Par là.
Moi, je peux juste tirer des rafales, par contre.